Avant, j'étais un consommateur invétéré de plastique. Tout était devenu jetable dans ma vie. Ma nourriture, mes meubles, et même mes copines et mon emploi. Un jour, j'ai suivi la trace d'un sac en plastique dans l'océan. Elle m'a entraîné dans une odyssée de 2 ans à travers le monde. J'ai risqué ma vie dans une décharge de délit. Trimballé 100 kilos de matériel de tournage dans le métro de Tokyo. Je me suis protégé de l'explosion de bombes à aérosol dans le fin fond du bush australien. Et en Hollande, j'ai assisté à l'autopsie d'un oiseau. J'ai visité les endroits les plus sales de la planète et les laboratoires les plus propres du monde. Un professeur de toxicologie m'a raconté comment sa famille et lui avaient banni les bouteilles en plastique de leur consommation. Le directeur de communication d'une entreprise de plastique m'a montré un tour de magie. J'ai rencontré un type qui vit dans un château en polystyrène et un PDG qui mange le plastique qu'il produit. Ça n'a pas vraiment de goût, mais c'est riche en fibres. C'est bon pour le transit. Si le plomb des canalisations d'eau a peut-être précipité la chute de l'Empire romain, j'ai appris que nous aussi, nous mettons probablement l'avenir des générations futures en danger avec le matériau le moins cher, le plus résistant et le plus courant qu'on ait jamais inventé. Le plastique est un poison silencieux qui nous menace. Ce film est mon cri d'alarme. Dans ma province de l'Ontario, William Schottick m'a invité dans sa ferme. Géochimiste à l'université de Heidelberg, en Allemagne, il étudie la présence de métaux lourds dans les carottes de glace. Il a découvert un composant inattendu dans les bouteilles en plastique. Une matière appelée antimoine, qui est employée dans la production du PET, le polyéthylène téréphtalate. Ayant trouvé de l'antimoine dans ce plastique, je me suis demandé s'il avait une influence sur l'eau. Il m'a emmené dans sa ferme car l'eau de la nappe phréatique est ici plus pure que celle des carottes de glace millénaires de l'Arctique et fournit les échantillons les plus limpides qu'il puisse trouver. La bouteille est presque pleine, je la bouche. Muni de ces flacons en plastique remplis d'échantillons d'eau, nous avons pris l'avion pour l'Allemagne et le laboratoire stérile de William Schottick pour chercher d'éventuelles traces d'antimoine. Son assistant nous explique le procédé. Pour faire des mesures, on prend l'échantillon de liquide qui est aspiré par un nébuliseur qui le pulvérise sur un plasma très chaud. Tous les éléments présents sont alors ionisés. Ils sont ensuite concentrés pour extraire les ions qui passent alors à travers l'analyseur de masse, qui est dans le cas présent un aimant très puissant. Et enfin, à l'extrémité du tube de circulation, un multiplicateur d'électrons analyse le signal obtenu. On parle de l'antimoine. L'antimoine est un catalyseur, mais chimiquement, il est lié au polymère. Il ne peut pas s'en extraire. On ne peut pas le dissocier. Il fait partie intégrante du polymère. Il est donc impossible de le filtrer ou de le faire sortir. Sur les 200 bouteilles que nous avons testées et plus de 100 marques d'eau différentes, environ 2 ou 3% ne contaminent pas l'eau avec l'antimoine. Faut-il vraiment s'inquiéter devant des valeurs de l'ordre de quelques milliers de milliardièmes, alors que les autorités environnementales et médicales ont fixé un seuil limite au milliardième? Notre corps n'en a pas besoin. C'est comme le mercure, le thallium, le cadmium ou l'arsenic. Ces produits n'ont aucune fonction physiologique. Ils ne peuvent donc pas être bénéfiques. Soit ils n'ont aucun effet, soit ils ont un effet négatif selon leur concentration et l'espèce touchée. Nous n'achetons pas d'eau ni de boissons en bouteilles plastiques. Pour la cuisine, je n'utilise plus de casseroles en téflon, mais uniquement des récipients en verre. Mes lunettes contiennent du polycarbonate, mais je ne les lèche pas, je les lave à l'eau. Une mission d'exploration française vient de quitter la Californie. Elle a mis le cap sur le 7e continent, qu'on appelle aussi le GIR, un gigantesque magma de déchets plastiques qui flotte dans le Pacifique. Voyez le reportage d'Olivier Mirguet.
Le chiffre est effrayant. 10% de nos déchets plastiques finissent en mer, piégés au beau milieu du Pacifique par les courants. Ils se fragmentent en petits bouts et forment une soupe plastique jusqu'à 30 mètres de profondeur, sur une surface grande comme 6 fois la France. Difficile à voir en surface. L'expédition guyanaise, 7e continent, part de San Diego pour étudier le phénomène. Voilà le bateau, un sloop de 14 mètres. On sera à peu près à mi-chemin entre la Californie et les îles d'Hawaï. Le gyre du Pacifique Nord, hein, ça se situe sur, à peu près toute cette zone-là. Hein. Georges Grépin est le biologiste de la mission. Il va prélever les déchets et cartographier le centre du tourbillon. C'est une zone où le plastique est piégé par les courants et le vent et qui donc se déplace à la surface de l'océan. Dans certains cas, on trouve plus de microplastique que de plancton dans certains traits de filet, ce qui est impressionnant. Et ce plastique ne se voit pas à l'œil nu. Si nous démontrons qu'il y a des particules de quelques microns en grande quantité, ce serait une première. Charles Moore, un navigateur américain, a été le premier à découvrir par hasard la plaque de déchets en 1997. Il débute alors sa lutte contre le plastique. Voilà la soupe de plastique. C'est ce qu'est devenu l'océan. Ce sont tous nos déchets. Petite démonstration dans le port de Long Beach, un des plus pollués de Californie. Voilà un petit bout de polystyrène. Il vient d'un emballage comme celui-ci. Le plastique imite la nourriture, il a la même texture. En plus, il absorbe les polluants et contamine les organismes vivants. C'est un poison qui menace du plancton jusqu'à la baleine. On a atteint un seuil critique, l'océan n'en peut plus de nos déchets. On l'a gravement abîmé et dans de très grandes proportions. Le gyre de l'Atlantique Nord grossit, nourri chaque année par 1 million de tonnes de plastique. Nettoyer cette plaque, irréalisable, selon le chef de la mission 7e continent. Nettoyer, c'est impossible. Il faudrait une armée de chalutiers avec des filets très fins qui sont pratiquement pas remorquables. Par contre, il faudrait arrêter d'alimenter ces gyres. Et pour ça, il faudrait prendre le problème à la source, taxer le plastique ou créer des plastiques qui se détruisent. Très peu de gens en parlent et donc c'est en train de s'accumuler depuis une cinquantaine d'années. Et si on ne le médiatise pas, ça va être de pire en pire. D'autant que 4 gyres se sont formés dans les autres océans, les poubelles de notre société de consommation. Les déchets, la biodiversité, le développement durable, nous sommes tous concernés. Alors pour aller plus loin sur toutes ces questions, rendez-vous sur notre site internet avec un dossier Rio plus 20. Laurent Lombard s'apprête à plonger dans les profondeurs de Cannes, l'une des stations balnéaires les plus touristiques de la Méditerranée. Cet enfant du pays va nous montrer les dessous de la ville. Cannes se targue d'être un joyau. Sous l'eau, c'est une toute autre vision. Laurent Lombard remonte dans la canalisation. Au bout de quelques mètres, voici ce qu'il découvre dans le déversoir des eaux pluviales. Les déchets sont si nombreux qu'il a du mal à sortir la tête de l'eau. Ces bouteilles, ces détritus en plastique, ont été jetés dans les caniveaux et dans les ruisseaux, sans qu'on se soucie de leurs conséquences sur le milieu marin. 80% des déchets trouvés en mer viennent en fait des terres. Laurent Lombard est affligé de ce spectacle désolant. C'est une de mes plongées les plus sales, on va dire. Voilà. C'est horrible. Quand je dis c'est horrible, c'est un truc de malade. Comme vous avez pu le constater dans ces deux extraits, le plastique et la bouteille en plastique a un impact très important sur l'environnement et sur la santé. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai pas envie de boire de l'eau d'Urbain, donc qu'est-ce que vous me proposez à la place? La solution est ici. C'est ce que j'utilise moi-même et des membres de ma famille pour des systèmes de filtration. Ce qui est très important dans ces systèmes-là, donc c'est la cartouche qui est livrée bien sûr avec. La capacité de cette cartouche qui est en charbon actif compacté et céramique est de 10 000 litres d'eau. 10 000 litres, ça vous paraît beaucoup, ça fait en fait à peu près 27 litres d'eau par jour pour la cuisine. Cette cartouche a été analysée et testée par 3 universités allemandes et on observe, donc on constate par ces tests que le chlore est diminué drastiquement à 99%. Les bactéries, micro-organismes et champignons à plus de 99%,
Les métaux lourds et le plomb à plus de 90%, les résidus médicamenteux qui sont des perturbateurs endocriniens, et les pesticides aussi à plus de 99%. En utilisant ce système donc, de filtration qui s'installe très facilement à la maison, on a le briquet au niveau du robinet. On dévisse, on met celui-ci à la place, au cas où il y a cette petite bague qui permet donc de mettre sur le niveau du robinet. Donc on l'installe en 2 minutes, hop, on a toujours de l'eau chaude ou de l'eau froide comme d'habitude. Je veux avoir de l'eau filtrée, je lève le bypass, j'ouvre le robinet, par contre que de l'eau froide. L'eau va passer à travers donc, ce tuyau, être filtrée par la cartouche pour ressortir par le bec verseur. La même chose pour la version inox, c'est juste le design qui change. Vous pouvez remplir des bouteilles d'eau sans problème, des bouteilles en verre, de préférable, en plus qu'on garde et qu'on réutilise. Alors on m'a posé la question ce week-end où j'ai acheté ces bouteilles, c'était ben, chez Ikea, un peu plus pour eux, même si je ne fais pas d'habitude. Ça me rappelle les anciennes bouteilles de soda, hop, et qui se ferment sans souci, et qu'on peut prendre avec soi, donc, et là c'est pas du plastique. Vous allez réduire drastiquement votre impact au niveau de l'écologie, et pour les générations futures, ça ne sera pas un mal, mais plutôt un bien. Vous partez en vacances, vous dévissez, vous prenez avec vous. Vous partez en week-end, vous dévissez, vous prenez avec vous. Si vous êtes en plus acheteur de bouteilles d'eau qui coûtent entre 2,50 euros à 3 euros, faites le calcul sur un an. J'ai fait le calcul avec une maman, donc une fois qu'on a fait le calcul avec des bouteilles d'eau entre 2,50 euros à 3 euros, sur une année, elle dépensait plus de 300 euros. Alors que cet appareil-là coûte 139 euros, livraison comprise par Colissimo. Vous voyez le budget par rapport aux bouteilles d'eau. Vous récupérez du budget des bouteilles d'eau pour acheter autre chose pour l'enfant, par exemple. Donc voilà, aujourd'hui, n'hésitez plus. Moi, j'utilise ce système-là. Ma famille utilise ce système-là aussi. C'est très facile à installer. On le prend avec ça en vacances. Ça réduit drastiquement tout ce qui est polluant. On l'utilise pour tout dans la maison, au niveau de la cuisine, biberon et autres. Et vous réduisez vraiment votre impact au niveau de l'écologie pour les générations futures. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie de votre attention et je vous invite pour une autre vidéo qui va être sur la filtration de douche, car c'est une autre façon de s'hydrater par la peau. Donc,